Shalom à tous, que la bénédiction de l'Éternel soit sur la vie de tous. La Côte d'Ivoire est le pays des masos. Non, ils sont animés d'un esprit masochique dont je ne sais pas comment arriver au moment de l'enfer faire à la délivrance. Nous avons en Côte d'Ivoire une artiste qui est l'une des plus brillantes, on peut même dire la plus belle voix de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle José. José est la femme de Sérédier. Sérédier qui était l'époux d'une dame appelée Aline. Cette dame appelée Aline n'a jamais de toute sa vie fait une publication attestant, disant ou prêtant attention à ce que José lui aurait volé son mari. Jamais. Elle n'a jamais fait une publication dans laquelle elle atteste que M. Sérédier est un homme qui la maltraite, ne donne pas la pension familiale ou est un père irresponsable. Jamais. Elle n'a jamais fait un poste disant « J'aime toujours mon mari, je veux de mon mari, aider mon peuple de Côte d'Ivoire à retrouver mon mari. » Jamais. Mais depuis plus de 5 ans maintenant, José l'artiste est la risée de certaines personnes animées d'un esprit de sorcellerie notoire. Parce qu'il faut appeler les choses par le nom. Quand quelqu'un ne t'a pas envoyé, que tu prends ta large bouche pour venir parler, c'est la preuve que toi-même, tu souffres soit d'un gourmet, soit d'une folie, soit d'un esprit de sorcellerie. Nous avons le gorille qui est couché aux États-Unis, dont la mère elle-même a été pris en flagrant délit de sorcellerie, excommunié de son village. Il n'a jamais pris le soin de venir parler de sa mère. Mais il s'est parlé des mères des autres. Nous avons la dame du Canada, qui je ne sais pas si dans ses fantasmes, elle rêve d'avoir serré Dieu, je ne le sais pas. Mais à chaque fois, la haine avec laquelle elle se prononce sur le dossier m'amène à douter de la sérénité de cette femme dans son foyer. Nous avons aussi une lélé refoulée. C'est-à-dire elle-même, les lélés l'ont refoulée. Qui est acharnée sur la vie de ce couple. D'abord, ils ont dit que José était fini. J'étais au conseil de José, à l'hôtel Ivoire, salle pleine. Elle a fermé la bouche. José est allé encore plus loin. Au palais de la culture, elle a encore fermé la bouche. Ne sachant plus quoi dire, plus quoi faire aujourd'hui, il doit maintenant se répercuter sur les propos. Oui, José, tu viens de dire que là, ça fait plus de 8 ans que tu avais serré Dieu en temps normal, tu ne devais pas le dire, tu devais garder ça. José a des comptes à rendre aux testicules ou au poitou profané de qui dans ce pays? Répondez-moi s'il vous plaît. José là, elle a des comptes à rendre aux testicules maudits ou au poitou profané sans stick et sans crampon de qui dans ce pays? Elle a des comptes à rendre à Dieu ou aux hommes. Nous avons une femme qui s'appelle Aline qui dit, écoute plutôt, qui n'a jamais dit qu'elle veut du monsieur. Nous découvrons que Sérédier, avant même d'avoir un enfant avec José, a eu un enfant avec une Bengis au niveau de la France. Donc, cette femme Bengis, on ne parle pas d'elle. On ne parle jamais de nos anciens chefs d'État qui divorcent les femmes à 72 ans, dont le divorce n'est même pas encore prononcé, qui prend le micro et qui donne à sa femme, la femme qui prend le micro, et elle dit, mon époux, un époux illégitime, un mariage non reconnu par la loi en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. Personne n'est qu'au scandale. Nous avons des légendes de football de notre pays. Les grands frères et qui ont été capitaines de Sérédier, qui ont laissé la maman de leur enfant, qui ont décidé de se remarier, qui font des photos, les Ivoiriens, même pas une poste. Ah oui, vraiment, hein? Il croit que la vie, hein, il avait son pain, voici le pain. Mais quand il s'agit de José et de Sérédier, c'est le côté qui fait mal aux gens à qui je n'arrive pas à comprendre. Allez, ne vous a jamais envoyé. Vos soeurs sont dans les gourmets. Vos mamans, elles ne sont jamais connues ce qu'on appelle le mariage. Vous laissez vos vies, vos familles, vos vous-mêmes, vos gourmets pour venir vous intéresser au bonheur de quelqu'un. Mais ce n'est pas vous les mêmes qui avez dit qu'elle allait être avec vous.
Maintenant, vous voulez la comparer à Jocelyne Nayo pour dire, tu as vu? Mais Jocelyne Nayo, là, s'il y a une artiste qu'elle reconnaît comme étant une patronne de la musique ivoirienne, c'est José. Votre problème, on veut savoir aujourd'hui, là. Vous avez rêvé de Mougou avec Cyril Dion, mais pas plus. Mais quel est le problème? On veut savoir. Aline ne vous a pas envoyé. José ne vous doit rien. Cyril Dion n'est pas de votre famille. Vous vous mêlez de quoi? Bande de testicules profanés au coin tout sans crampon. On veut comprendre à l'homme donné. Votre haine là, ça vient d'où? Vous avez dit que la fille est finie, les Ivoiriens l'ont vomi. Les Ivoiriens ont confirmé à ces deux concerts. Salle pleine. Maman n'a jamais poteau. Confirmation dans le talent, le phénix. Je dis confirmation dans le talent. La fille décide d'honorer l'homme de sa vie en public. Ces femmes sont contentes. Vous, vous avez mal. Vous insultez le monsieur en le présentant comme étant un vendeur de poulet. Mon frère, il y a l'un dans poulet. Vous le présentez comme étant devenu manager de José. Mais mon frère, il y a l'un dans musique. Même le grand Cissé, aujourd'hui, il est devenu DJ parce qu'il y a l'un dedans. Le problème que tout le monde veut comprendre, vous là, la haine que vous avez de votre cœur, le gourmet que vous avez là, qui vous a envoyé? La fille est heureuse. Le monsieur, quand tu regardes José, tu regardes Cyril, tu sens que les deux là sont forts l'un de l'autre. Vous avez mal. Votre gourmet, ça vient d'où? Cyril vous doit? Non. Il a mouru votre mère? Non. Il doit vos parents? Non. Vous êtes de la même famille? Non. Votre haine vient d'où? Jusqu'à je vois des personnes d'une moralité assez douteuse, d'une sexualité qui est un blasphème, un sacrilège pour les valeurs africaines. Des personnes condamnées à perpétuité pour l'enfer vont venir s'asseoir, parler de Cyril Dion. Votre nom diable au placard beurre pour mettre au corps dessus. Bande d'affamés que vous êtes. Vous n'avez rien d'autre à faire. La vie, venez nous expliquer. Bon, José là, et son chéri là, on voit les réalisations à Abidjan. Venez nous expliquer vos années au Canada, vos années aux États-Unis, vos années en France. Vous avez été capable de réaliser quoi dans votre propre pays? Non, papa, pourquoi? Nous, on est propriétaires en France. Nous, là, on est propriétaires de nos maisons en France. Donc, quand nous, on parle, les locataires, là, vous fermez vos gueules. Cyril Dion et José, j'aimerais m'adresser à vous et à vos femmes. Et je demande à toutes les femmes de Cyril Dion et de José de partager cette vidéo parce que je veux voir les 5000 partages de cette vidéo et que Dieu bénisse tout le monde. Vous avez fait fort. Vous avez fermé la gueule des autres. C'est-à-dire des aigris. Si vos concerts avaient été un échec, la Côte d'Ivoire vous aurait dit, on ne veut plus entendre parler de vous. Mais la réussite de vos concerts est la preuve indélébile que la Côte d'Ivoire vous aime et qu'il n'y a que les enfants mal élevés, les aigris éternels, animés d'un esprit de sorcellerie notoire, qui ont décidé d'être aigris et jaloux de votre réussite. Sinon, ils connaissent le nom du président de la République qui a divorcé sa femme à 72 ans. Ils connaissent son nom. Ils connaissent son nom. Ils n'ont qu'à aller parler de voleuse de mari là-bas. Ils n'ont qu'à essayer d'aller parler là-bas. Là-bas, ils n'ont pas guère. Mais José, Cyril Dion, deux jeunes amoureux. Leur problème est où? Aline est en train de manger ses millions. Tranquille. Elle vit avec ses enfants en paix. Peut-être même qu'elle a un nouveau gars. On ne sait pas. C'est vous là. Vous avez mal plus que la fille, plus que les parents de sa fille. Si on a vu un parent d'Aline se lever pour dire « Nous ne sommes pas d'accord pour ce qui serait de faire notre soeur. » On aurait pu dire « Serait de faire notre soeur. » Mais il n'y a même pas un. Il n'y a pas un. Mais c'est vous qui allez charger le problème pour venir nous montrer quoi? Soyez maudits pour le restant de votre vie. Ne vous intéresse pas à vos vies. Et je vois des Ivoiriens qui sont tellement contents, certains Ivoiriens bipolaires, qui sont tellement contents, qui encouragent cela. Ah, c'est bien, clashez-les, vous les clashez et remplissez des salles. Je l'ai. Il faut commencer maintenant à organiser ton spectacle au niveau de la France. Voilà. On va prendre comme on appelle ça, le comme on appelle ça, oh, quelle est la salle que Védia va prendre. On va baisser ça au calme. Parce qu'un conseil t'a d'abord frappé ça en France. Donc, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Voilà, c'est lui qui dit qu'il est trop fâché là. Va chanter, José chante et puis on vous compare. Maintenant, si tu es trop fâché, il faut présenter ta femme ou il faut présenter ton mari. Il y a voir des femmes aux relations, aux sexualités douteuses. Quand on regarde le visage de celui qui vous dit, la femme qui dit votre mari même là, t'as dit, nous on veut répondre à juste pitié.
Parce que si ce n'est pas fait de l'aimer, là, vous-même, là, quel homme sur terre voudra faire relation avec vous? Quand vous vous regardez, quand vous vous regardez, t'as dit qu'on te regarde coupé, on doit couper tête à pichetter. On regarde fort même de ton moral, t'as dit quand on te regarde, on dit oh my God, malédiction brillante, malédiction vivante, paix tous sans crampon. Non, ça soit pour écouter ça. Je vois des gorilles qui sont couchés aux États-Unis, qui n'ont même pas pu réaliser quelque chose, qui nous ont fait croire qu'ils avaient acheté des Range Rover. On ne sait plus où Range Rover est passé. Vous refusez de venir nous asseoir. On voit des femmes aigries couchées au niveau du Canada dans l'aigreur. Tout ce qui les intéresse, c'est l'aigreur. C'est sur ces règles, vous voulez manger monétisation de Facebook. Que Dieu t'a créé le sel et la terre, vous maudisse, parce que la Bible dit tu ne jugeras jamais ton prochain. Maud diable, au placabeur. Maintenant, tous les guerriers du général, le commandant. Bon, vous savez que nous, on arrive à un certain niveau où l'opinion des pauvres ne nous intéresse plus. On vient de finir notre conférence au niveau de Paris. Papa n'a jamais poteau. Mais j'aimerais informer à tous ceux qui vivent au niveau de la France, Belgique, bon, tous ceux qui sont en Europe, ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada. Je vais vous demander de faire une seule chose. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp 00225. Vous êtes en France partout. Vous dites, mon général, on veut le livre. Je vais vous envoyer gratuitement ce livre. Ça va être une autre couverture parce que ça, c'est la nouvelle couverture sur les secrets de la réussite. Je vous l'envoie gratuitement. Donc, Kaby Makos, au-delà de parler là, champion, il est écrivain. Voici le premier livre ici, bas. Voici le deuxième livre, encore ici, bas. Et quand tu regardes le deuxième livre, il fait exactement 296 pages. Ce n'est pas les petites écritures pour dire remplir les pages. Ici, c'est comment posséder une année et devenir milliardaire parce que ce n'est pas ton ami sur le plan des finances. Donc, tous ceux qui veulent ce livre, vous allez sur Amazon, vous prenez le soin de payer ce livre, il doit coûter 25 euros. Mais ce livre-là, sur les secrets de la réussite, c'est le premier livre que j'ai écrit dans ma vie. Je l'offre gratuitement aux 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je réponds 00225 01 50 50 50 22. Les 5000 premières personnes qui vont télécharger l'application TapTapSend. L'application TapTapSend est une application simple que vous avez sur App Store ou Play Store qui vous permet de faire des transferts d'argent. Je parle aux 5000 premières personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis et au Canada. Vous mettez mon code MAKOSO, M-A-K-O-2-S-O. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 5000 premières personnes qui téléchargent et qui mettent ce code, je vous envoie automatiquement 20 euros. Et parmi vous, nous allons faire un tirage au sort. Nous allons prendre le soin d'offrir la somme de 3000 euros à la personne qui sera tirée au sort. Mais pour cela, il faut télécharger l'application. Coucou les enfants, c'est papa. Quand deux personnes s'aiment, les restes, vous fermez vos gueules et vous vous intéressez à votre triste et misérable petite vie. À bon entendeur, salut. Sur ce site que va sortir l'un des plus beaux et des plus merveilleux de tous les marchés au niveau de la Côte d'Ivoire et on peut même le dire de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, sur ce grand site que va sortir de terre le plus beau et le plus puissant de tous les marchés. Ce qui est merveilleux, c'est que déjà plusieurs personnes ont commencé déjà à réserver le magasin, qui sera le site le plus visité, avec plus d'un million de visiteurs par jour. C'est maintenant que vous devez acquérir maintenant votre titre, votre magasin, et veuillez contacter les numéros qui s'affichent maintenant. C'est le général LPB de Oro. Cœur de vie traite les maladies cardio et cérébrovasculaires telles que l'AVC, l'hypertension artérielle, le cœur enflé, les essoufflements, les palpitations dont les symptômes sont les crampes, les pieds qui chauffent, les fourmillements, les migraines, les vertiges, les pieds enflés, les toux nocturnes et le visage enflé. Il élimine également le mauvais cholestérol et nettoie le sang, les poumons pour ceux qui fument et boivent de l'alcool. Avec Cœur de vie, ce sont des milliers de témoignages en un point fini. Pour plus d'informations, appelez Cœur de vie à Abidjan au 07 07 41 10 81 au cœur de vie tient salé au 07 07 57 78 18 cœur de vie San Pedro 07 05 06 1 42 au cœur de vie Boaké 01 61 41 50 90 l'adresse email cœurdevie.ci@gmail.com et suivez toute l'actualité de cœur de vie sur la page Facebook cœur de vie CI. Dieu guérit par les plantes. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kim Makoso, DG de Kemka Collection. Voilà, je vais vous présenter ma palette Kemka Makeup. Tatiana Makoso by Kemka Makeup qui est actuellement à 12 000 francs. Voilà, je vous montre les couleurs. Elle comporte un miroir et nous avons là 9 couleurs. Des couleurs nude, des couleurs pailletées et des couleurs irisées.
Alors sur 1000 palettes, il reste que 400 palettes. Venez commander vos palettes massivement. Et tout, je vous donne maintenant le numéro WhatsApp, le 00225, le 07 01 26 49 52. EasyGo, votre nouveau moyen de vous déplacer à Abidjan. Déplacez-vous facilement et en toute sécurité et confort. Application disponible sur toutes les plateformes. Commandez maintenant vos véhicules à EasyGo et déplacez-vous agréablement. EasyGo, c'est easy. Vision Conseil Sarles. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Vous êtes un technicien en bâtiment et autres métiers périphériques du bâtiment. Vous êtes un promoteur dans le secteur de l'hébergement. Vous avez besoin d'accroître votre visibilité à l'échelle nationale et internationale. Vous avez besoin d'un accompagnement sur le plan managérial. Vous avez besoin de saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Vous avez besoin d'un cadre propice à votre séjour correspondant à votre budget. Une seule adresse vous suffit, www.vicon-sarles.com. Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au +237 679 759 611, +237 697 508 776, Douala, Cameroun. J'aime donc j'en parle. C'est un moment d'une quinzaine de minutes qui me donne le droit de visiter un hôtel, une entreprise, un vendeur de véhicules, un restaurant, un salon de coiffure qui fait quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes par exemple dans un business, mais vous n'avez pas de visibilité. Vous avez par exemple un grand supermarché, mais vous n'avez pas le taux de clientèle que vous voulez. Vous avez besoin d'être boosté. Vous souhaitez avoir vos vidéos qui passeront au thème de toutes les vidéos du général, qui se prononcent souvent sur les actualités qui font jusqu'à 1 million, 2 millions de vues. Imaginez que votre entreprise, le lien de votre entreprise, ou bien une petite vidéo, un spot de votre entreprise, est rattaché à toutes nos vidéos pendant seulement un mois de communication. Votre chiffre d'affaires connaîtra un changement radical. Si vous suivez cette vidéo, nous avons la possibilité même de nous déplacer. Allez dans votre pays, faire un reportage concret, et ensuite, parler de ce que vous faites. Je vous demande maintenant de bien vouloir contacter notre chargé commercial qui est M. Marius au 00225 07 57 63 54 73.